Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici en fin de semaine pour une nouvelle vidéo qui sera du coup un haul plant. Voilà, un haul plant de retour de vacances. Parce que comme vous le savez, ben, forcément chez mes parents, ma maman étant aussi une plante addict avérée, on a été faire quelques boutiques, hein, mais pas celles qu'on pourrait penser. Et du coup, je me suis ramené pas mal de plantes, donc des plantes que j'ai achetées, des plantes que ma maman m'a faites, des boutures. Et hier aussi, en allant chez Carouf, je me suis acheté des petites cocottes. Enfin, petites. Vous allez voir que c'est pas si petit que ça. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé de très très bonnes vacances. Vraiment, c'était court, mais c'était super. En plus, ben, c'est vrai que j'en avais pas forcément parlé sur YouTube parce que c'était la surprise avec mon grand frère, donc qui était présent, Nicolas. Quelques jours avant, en fait, on a un peu bien mené notre barque et on a fait la surprise à mes parents de son arrivée. À la base, mes parents ne savaient pas que mon frère devait venir, donc c'était vraiment génialissime. Et en plus de ça, il y avait mon autre frère Mathieu, que vous n'avez pas vu, mais qui est bien présent. Voilà, donc il manquait plus que ma grande sœur et on aurait été les quatre enfants à la maison. Mais bon, c'était déjà super. Alors du coup, pourquoi? C'est vrai que bon, ces derniers temps, je vous fais plus trop de cocottes de la semaine. Alors, pas parce que j'en ai pas envie, hein, comme vous voyez, comme vous le savez, avec toutes les cocottes que j'ai, bah, je peux vous faire un cocotte de la semaine sans problème. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus dans des vibes de, comment dire, de vous faire découvrir de nouveaux endroits, de sortir un petit peu, d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, qui nous, comment dire, qui dégage vraiment des bonnes énergies, des énergies que la nature est la seule à pouvoir dégager. Et voilà, je pense que c'est aussi l'effet printemps, l'effet l'été qui arrive. J'ai vraiment envie de vous, voilà, de vous emmener dans des endroits aussi que soit que je ne connais pas, soit que vous ne connaissez peut-être pas. Alors peut-être, je dis bien que peut-être dimanche, avec mon chéri, on va peut-être aller dans un endroit, dans la visite, pareil, de jardin, un peu comme la Bambouseraie, mais apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est encore plus grand. Et c'est mon chéri, d'ailleurs, qui m'a dit, oh, regarde ce que j'ai trouvé, tatati, tatata. Ah, j'étais là, tu vois, où ça a l'air sublimissime. Donc, peut-être qu'on va y aller dimanche, et bien évidemment, je vous ferai la vidéo de ces magnifiques jardins. Pour l'instant, je ne vous dis pas où c'est, ça sera la surprise. Mais voilà, j'espère qu'on pourra y aller dimanche. Hein, ça ouvre à partir de 13h, je crois, 13h30. Et passer la journée là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de vous faire partager voilà, des endroits différents, changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Les haul plantes aussi, parce que ben, là, en fait, j'ai acheté... plusieurs plantes d'extérieur et principalement des succulentes et des cactus. Voilà, donc je vais vous présenter du coup ces cocottes. Alors sachez que toutes les succulentes, cactus, euphorbes et cactus que vous allez voir, c'est des plantes que j'ai ramenées de chez mes parents. Voilà, voilà. Donc je vous mettrai une photo de comment je les ai emballées. Enfin, vous verrez juste le sac et tout, mais ça s'est très bien passé. Il y en avait vraiment une, vraiment, je n'étais pas rassurée. Et ça s'est extrêmement bien passé, la façon dont je l'ai enveloppé. Ça a super bien marché. Donc, si ça peut aider quelqu'un lors d'un transport, d'un envoi, je vais vous dire comment j'ai fait. Et tester, approuver, emballer, c'est pesé, bisous. Ça a super bien marché. Donc, on va commencer mes amis. Ah, attendez. Ah, faut que je note les noms. J'ai oublié de noter les noms. J'arrive. Donc, allez, on va commencer, les amis. Alors, déjà, on va commencer par le plus gros. C'est-à-dire que... Alors, c'est celui qui m'a fait claquer des fesses, là, au retour, parce que il est tellement fragile. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais comme connerie?
Donc là, je vais vous présenter les cocottes que j'ai achetées chez un horticulteur qui a à Alès, je crois. Oui, je crois que c'était à Alès, dans le Gard, où ma maman, enfin, où mes parents vont, parce qu'ils font beaucoup aussi de plantes aromatiques rares, très originales. Donc ça, j'ai pas pu en acheter parce qu'il fallait faire des choix aussi. Ils ont des plantes fleuries, ils ont quelques plantes d'intérieur, mais voilà, des classiques, pas beaucoup. Et ils ont aussi un coin cactus succulente qui est très très bien aménagé. Par exemple, par terre, vous avez un pourtour avec des gros galets de là-bas, avec ils avaient mis comme des roches, ils mettaient comme des roches volcaniques, vous savez, les gros cailloux un peu orange, donc ils ont tapissé et ils mettaient les gros, par contre, les gros sujets et quelques petits sujets, et après à côté. Vous aviez comme dans les jardineries un plan de travail avec toutes les petites succulentes, tout ça, une tringle avec les plantes rampantes et tout. Donc je suis tombée en amour, voilà, devant une plante que j'adore, une famille, enfin une variété de plantes que j'adore. J'en ai deux déjà, dont un que vous connaissez, que je vous avais présenté. Et alors je l'ai appelé Bobby. Voilà, j'ai rigolé, voilà, avec mes parents, ça y est, j'étais partie dans mon délire. Oh, Bobby, Bobby, Bobby. Pourquoi Bobby, ne me demandez pas, hein, c'est comme ça ne s'explique pas. Viens là, mon chéri. Voilà la bête. J'ai ramené ça dans le train, hein, voilà. Alors, Bobby, qui est un Rhypsalis roseana. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur lui. Mais c'est vrai que c'est un Rhypsalis que j'avais jamais vu en jardinerie. Et ma maman non plus. Elle me dit, oh, non, moi non plus, j'ai jamais vu. Et regardez-moi ça, ce poté. Il est énorme. Je vais essayer de vous le montrer de près. En plus, il est en pleine croissance parce que comme vous voyez, il refait de nouvelles feuilles. Et j'avais hyper peur. Alors ce que j'ai fait, ça n'a pas bougé. Pourtant, surtout les nouvelles feuilles sont extrêmement fragiles, sont très cassantes. Ce que j'ai fait pour le transport, donc déjà je l'ai gardé avec moi, celui-là je ne l'ai pas mis dans ma valise, hein, parce qu'il y en a que j'ai mis dans ma valise. Et en fait j'ai pris un sac de course où je l'ai mis dedans. Ce que j'ai fait pour pas qu'il bouge, pour pas que les feuilles bougent comme ça avec les mouvements du sac, ou quand vous passez, vous savez, vous essayez de trouver votre place dans le train, enfin le gros bordel, le truc que je déteste. Désolé papa, hein, mais c'est un ancien cheminot. Ouais. Mais là, je peux plus le train. C'est vraiment la croix et la bannière pour rentrer à chaque fois ou pour y aller. Donc, j'avais un peu peur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entouré, mais vraiment entouré de cellophane. Ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que je faisais un tour. J'ai fait un trou au niveau du cellophane, au niveau de là, que j'ai fait passer là. Donc, le cellophane arrivait jusque-là. Et après, j'ai entouré et j'ai plaqué ces feuilles et ces tiges contre le pot. Ça n'a pas bougé. J'avais peur, je me disais, mon Dieu, le cellophane, je sais pas que ça colle, mais c'est un plastique très fin, ça a tendance, oui, ici, à coller. Justement, on s'en sert pour les aliments, donc il faut quand même que ça colle un peu. Je me suis dit, pauvre Bobby, il va rentrer, il va être à poil. Il a rien perdu. Il a perdu, si, je mens, il a perdu des feuilles, vous voyez, de cette taille. Vraiment les toutes premières feuilles, les feuilles les plus jeunes, il a dû en perdre 3-4. C'est tout. C'est tout. Alors j'étais hyper fière de moi, il n'a pas bougé. Donc voilà. Donc j'ai enroulé de cellophane et ça marche très bien. Voilà le beau Rhypsalis roseana alias Bobby. Donc là, ce que je vais faire, c'est que. Alors, je ne vais pas le rempoter complètement. C'est-à-dire que. Je vais le laisser dans ce pot-là. Ma maman m'a expliqué comment, pour pas casser les tiges, donc comment le sortir. Donc il va falloir que je plonge mes deux mains, je soulève, que je plonge mes deux mains pour enlever au maximum la motte. Il faut que je le pose. Elle m'a dit, tu le poses, tu prends un pot, tu le retournes le pot et tu poses Bobby dessus. Comme ça, les feuilles, ça ne traîne pas par terre, ça ne se casse pas en le mettant par terre. Enfin, vous voyez, mal. Donc, il faut prendre le plus gros de la motte. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais nettoyer ce pot actuel. Je vais mettre des billes d'argile au fond et je vais lui remettre du substrat tout neuf au fond. Et je vais combler au mieux que je peux autour en soulevant les tiges et les feuilles avec du substrat qui sera au préalable préparé. Et voilà, c'est tout parce qu'il en a besoin. Alors, de ce que j'ai vu, il n'y a pas les racines qui sortent.
Ah, si, un petit peu. Mais bon, pas excessivement. Donc, je voulais pas le rempoter, mais bon, il n'est pas drainé, rien, il n'est pas. Donc, ça m'embête un peu. Après, là, pour... je l'ai mis dehors. Hein. Il est dehors. Il faudra que je le rentre en hiver parce qu'il est gélif. Hein, donc, on va pas tenter le diable. Hein. C'est pas comme mon Rhypsalis salicornoïde qui reste dehors même l'hiver, protégé, mais qui reste dehors. Lui, c'est un Rhypsalis, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, qui n'aime pas forcément le soleil direct. Enfin, quelques heures par jour après adaptation, mais quand même, il s'adapte beaucoup mieux à la mi-ombre. Donc là, pour l'instant, je l'ai posé sur un pot retourné pour que ses tiges et ses feuilles puissent voilà, courir librement et ne soient pas cassées. Et bah, selon comment le soleil tourne, je déplace le pot, voilà quoi. Mais j'ai craqué. Et ce beau pépère, alors ne connaissant pas encore trop les prix des succulentes, comment vous dire, oui, c'est vrai que les plantes d'intérieur, je connais. Sans vouloir me vanter, mais je connais bien les prix parce que, bah, à force, en regardant sur Internet, en fouinant partout, et vu que, comme vous savez, j'adore avoir les meilleurs prix, hein, parce que merde, hein, il y en a, elles coûtent un bras, une couille et une jambe, hein, donc je ne veux pas me faire avoir. Mais les succulentes, je ne connais pas encore trop les prix selon les variétés. Mais ce gros pépère, je l'ai payé 21 euros. Alors pour moi, je pense que j'ai fait une très bonne affaire au vu de sa taille, le fait qu'il soit vraiment sublime, que sa croissance, il a de nouvelles feuilles de partout. Vraiment, les plantes là-bas sont incroyables. Ils sont vraiment respirent la santé. Comme quoi les horticulteurs, il n'y a quand même pas à tortiller du cul. C'est la qualité est là, quoi. La qualité est là et j'ai pas trouvé que je l'avais payé si cher que ça. Donc vous me direz, pour ceux qui s'y connaissent mieux en succulente, mais moi je trouve pas avoir, enfin je pense pas avoir payé très cher, 21 euros, voilà quoi. Au vu de sa taille, j'ai eu des Rhypsalis en jardinerie, enfin basique, classique, à peu près là le même format, hein, entre 30 et 40 euros. Donc je me dis bon, j'ai fait une petite affaire quand même, non? Du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, alors il y a elle. Elle s'appelle comment déjà? Ah oui, la Gasteria carinata. Alors, la Gasteria, c'est celle-là. Regardez comme elle est belle. Ah, j'ai craqué. Et regardez, elle est en train de me faire un épi de fleurs. Une hampe. Il y a... Ah oui, parce que j'ai ramené aussi, regardez sur mon bras, j'ai ramené les fourmis. Mais, ah, mais tu vas pas venir dans ma manche, non, connasse? Voilà. J'ai ramené les fourmis du Gard aussi. Alors, elle a plein de bébés. Regardez tous les petits bébés. N'est-ce pas trop mignon? Bon. Et alors, cette plante, je l'avais déjà guignée plusieurs fois en jardinerie. Et bon, voilà, c'était passé. Bon, on ne peut pas tout acheter non plus. Et vu tout ce que j'ai. Ça y est, même le balcon, là, ça y est, c'est blindé. Je me suis fait plaisir et on m'a fait plaisir. Oh là là, mon Dieu. Et là, j'ai craqué avec sa couleur un petit peu rougeâtre et tout. Enfin, vraiment, je la trouve exceptionnelle. Donc voilà, ça, c'est la petite Gasteria. Et je l'ai payée 6 euros. Donc, un petit peu plus cher. Enfin, je trouve pas que ça soit cher. Je vous dis, c'est vrai qu'au niveau des prix, je suis pas très. Voilà. Non, je trouve que c'est correct. Au vu des prix, enfin, des bébés qu'il y a, au vu de la. Pareil, elle est en pleine forme, elle est magnifique. Parce que la petite hampe, là, quand je l'ai achetée, elle était entre les deux feuilles, là. On voyait juste l'épi. Et là, depuis que je l'ai rempotée et qu'elle est sur le balcon, ben, je vois qu'elle a bien poussé. Donc, voilà, c'est signe qu'elle a repris sa croissance et que tout va bien. Donc, voilà, vous voyez, ça, c'est la petite Gasteria. Ensuite, alors, deuxième coup de cœur. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Je suis un vrai cœur d'artichaut. Deuxième coup de cœur. Et là, alors là, je l'ai pris sous le bras. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai eu 2 minutes, même pas 2 secondes, où je me suis dit, mon Dieu, ma fille, t'es complètement pimpin. Tu vas ramener ça dans le train. Mais au vu du prix, parce que celui-là, cette forme, je la voulais. Je la voyais souvent en jardinerie, mais des gros sujets, vraiment des machins, je ne peux pas trop vous montrer, mais comme ça, large, avec plusieurs rejets, enfin voilà, mais qui coûtait plus d'une centaine d'euros, voire
plus d'une centaine d'euros, voire plusieurs centaines d'euros. Et puis, bah là où ils avaient mis par terre, comme je vous disais, les petits cailloux volcaniques et tout, là, mon frère, lui, moi, je n'osais pas trop y aller, je trouvais ça tellement beau, on avait le droit, hein, mais j'étais là, oh. Et mon frère, lui, il a été, il avait vu des cocottes qui l'intéressaient potentiellement, donc je lui dis, regarde-moi le prix de l'euphorbe, là. Il me dit 18,50 €. Je lui dis, plaît-il? Oui, je diantre, mon Dieu, prends-le, donne-le-moi. Je lui dis 18,50 €. Je lui dis, t'es sûr que tu t'es pas, parce qu'il est myope, mon frère. Alors je me suis dit, pareil, c'est clair qu'elles étaient pas. Oh, je suis vilaine. Et je lui dis, t'es sûr que tu te plantes pas? Je lui dis 18,50 €. Je lui dis, vas-y, passe-la-moi. Vas-y, là. Je la prends dans le sac et on se casse. Et donc c'est. Attendez, je vous la. Ouh là là, je vais faire des conneries, moi. Donc, alors celle-là, parce que alors j'ai toujours. C'est l'Euphorbia hamac. Voilà. Variegata, pardon. Et ce beau coco, enfin cette belle cocotte, parce que ce n'est pas un cactus, c'est une euphorbe qui a des alères de cactus. Voilà. Une plante qui voulait devenir un cactus, ma cocotte. Et elle est incroyable. Voilà. Donc je l'ai rempotée. Alors là, il faut que je mette. J'ai acheté des petits cailloux, vous savez, pour combler. Parce que le problème avec les cactus et les succulentes ou les euphorbes, c'est qu'à force, s'ils poussent bien, ça penche. Et ça peut carrément se dépoter. Donc là, j'ai acheté des graviers pour pouvoir combler là, puis c'est plus joli, je trouve. Et ça permet de maintenir aussi le cactus, enfin, la plante dans son pot, quoi. Donc là, je l'ai rempoté. Tout ce qui. Faut que je nettoie le pot parce que. Oh putain, il est dégueulasse. Je déteste avoir mes pots, vous savez, sales. Je suis pétée, mais. Voilà. Donc ça, c'est. Le Euphorbia hamac variegata, qui est, parce qu'en plus, il est vraiment d'une belle taille, quoi. C'est pas. Voilà, il est quand même, je ne sais pas combien de centimètres, mais vous voyez par rapport à moi, voilà, je l'ai payé 18,50 €. Alors, ce que j'ai fait pour toutes celles que je viens de vous montrer et les autres à venir, je les ai dépotées, je les ai laissées racines, je les ai enveloppées dans du journal scotché, un tout petit peu serré. Et alors, elle, et qui? Ah oui, et le fort que ma maman m'a fait la bouture, plus Bobby, je les ai mis dans un sac que j'ai gardé avec moi. Les autres, pareil, je les ai dépotées, enroulées dans le journal. J'avais un tout petit carton que mes parents. Alors, voilà, je vous le remonte une fois, puis après, il va aller par terre parce que. Je vous montrais, j'avais mis un petit. Ben, ils m'ont donné un tout petit carton en dur, comme ça. Et j'ai mis les autres cocottes bien. Voilà. Ce qui est bien avec les succulentes, c'est qu'en général, tout ce qui est Awardsia, tout ce qui est ben, comme la Gasteria, c'est pas fragile. Donc une fois qu'elles sont bien emballées, hop, j'ai tout mis dans le carton. J'ai bouché les trous avec des grosses boules de journal. J'ai mis dans ma valise au-dessus et sur le dessus du carton, j'ai mis un pull-over vert que j'avais amené parce qu'il y avait quand même du vent. Ça n'a pas bougé. Elles n'ont pas pipé. Donc voilà, si ça peut vous aider, hein, on ne sait-on jamais, hein, si vous avez la folie des grandeurs comme moi. Hein, que vous. Voilà, donc ça c'était le Forbes hamac. Ensuite, donc. Vous avez vu la vidéo de la bambouseraie. Et comme vous avez pu voir, il y avait des cactus et des succulentes. Donc, j'ai vu les philodendrons d'une princesse qui avait des feuilles comme ça, qui étaient à même pas 30 euros. Mais bon, non. En fait, en ce moment, j'ai. Enfin, en ce moment. Là, je vous avouerai que, en ce qui concerne les plantes d'intérieur, je ne veux plus en acheter. Là, vraiment, c'est. Alors, après, à chaque fois, je dis ça, mais sincèrement, là, non. J'ai eu un. Voilà, je me suis aussi remise en question. Mais attention, hein, pas dans la souffrance ou quoi. Mais je suis, on va dire, comblée par ma collection. J'ai quand même une belle collection de plantes d'intérieur. Et tout va bien, quoi. J'ai eu toutes les cocottes que je voulais. Elles vont bien. Je suis heureuse. Et c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de m'occuper de mon balcon, même si je m'en occupe, hein. Vous avez vu mon balcon tour l'année dernière. Mais je me rapproche vraiment de plus en plus des plantes d'extérieur quand même, des succulentes, comme je vous avais dit dans une vidéo, que j'aime de plus en plus, chose que je n'aurais pas cru. Et j'ai envie de profiter aussi de mon balcon, ou plus tard de mon jardin, si on en a un.
Et voilà, donc c'est vrai que les plantes d'intérieur, là, j'ai plus envie. On m'a proposé, hein, là, les derniers jours, chez ma nouvelle maison, je sais qu'il va y avoir une Monstera Adansonii aurea. Je la voulais. Et copain Nathaniel m'a demandé si je voulais qu'il me mette de côté l'Alocasia cucullata variegata. J'ai dit non. Pourtant, je l'ai, mais j'aurais pu le reprendre. Enfin, voilà, parce qu'il était bien variegata. J'ai dit non. Vous pouvez être fier de moi. Voilà. Bon, après, je me suis vachement lâchée voilà, sur les succulentes et tout. Mais voilà, donc c'est vrai que là, pour le coup, les plantes d'intérieur, j'en ai même pas envie. C'est pour vous dire, j'en ai même pas envie. Donc, ça fait quand même du bien. Je préfère, ben là, m'acheter des plantes d'extérieur, de pouvoir profiter d'elles aussi. Et je les trouve vraiment fascinantes. Et ben, je m'en rapproche de plus en plus, quoi. Alors, ensuite, on a donc à la bambouseraie. Donc, je n'ai pas pris le philodendron. J'ai été très raisonnable, hein. Mais j'ai craqué sur des succulentes. Donc, il y en a une que j'ai trouvée, mais ah, en plus. Les succulentes, moi qui adore les plantes un peu atypiques, originales et tout, bah c'est vrai que dans les succulentes, il y a de quoi faire. Hein. Et alors, j'ai acheté. Alors, celle-là, c'est. Ah merde! Ah oui. L'Euphorbia mamillaris. Voilà. Regardez-moi ça, comme elle est jolie. Là, elle reprend sa croissance. J'ai vu. Alors, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mon focus, mais il me fait chier. Vous voyez, elle refait des petites feuilles. Après, je ne sais pas trop comment on appelle. Si, je pense que c'est, on appelle ça des feuilles. Et voilà, donc j'ai acheté celle-là. Je la trouvais incroyable. Bon, après, elle pique. Hein, celle-là, ah nom de Dieu, elle pique. Hein. Là, je ne vous dis pas. Hein, vous vous piquez avec ce genre d'épines. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Moi, je me suis piquée plusieurs fois parce qu'aujourd'hui, je dois rempoter encore plein de plantes. Vous allez voir là, de celles que j'ai achetées et de celles qu'on m'a envoyées. Et je dois rempoter mon figuier de Barbarie, qui a des épines comme as. Et je peux vous assurer combien de fois je me suis piquée avec mes cactus. Et en fait, ça s'est infecté, ça s'infecte. Parce que des fois, vous arrivez à retirer l'épine, mais des fois, elle se casse et ça reste dans le bout du doigt. Quelle merde! Alors, comme m'a dit gentiment Manon, il faut que j'achète des gants de roncier, je crois. Donc je vais faire ça parce que pour les prochaines fois, parce que là sinon j'arrête pas, j'en ai plein les doigts, enfin, c'est terrible. Donc ça c'est la petite Euphorbia mamillaris. Voilà. Et elles sont toutes dehors. On dirait vraiment des cactus. Hein. Elles se. Ah oh, j'adore. Et ça fleurit. C'est ça qui est génial avec les cactus et les succulentes. C'est qu'elles peuvent faire des fleurs, mais magnifiques. Magnifiques. Voilà. Et la deuxième. Alors, la deuxième que j'ai achetée, c'est le. Alors, je ne vais pas regarder. Le cotylédon. Cotylédon orbiculata variegata. Et je vous le dis dans la vidéo que j'étais fascinée, que je la trouvais hyper belle. Et du coup, ben, je l'ai prise. Et où on appelle ça oreille de cochon. Oh. Alors, j'ai. Moi qui pensais que c'était un calanchoë, mais non, c'est. J'en ai un deuxième, vous savez, le classique. Et le variegata, mais mon Dieu, je l'ai trouvé incroyable. Donc, je me le suis acheté. Voilà. Donc, les cocottes, ces deux cocottes-là, bon, c'était un petit peu cher. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve ça un petit peu cher. C'était 8,90 €. C'était les vacances, je me suis dit, bon, allez, je les ai vraiment trouvées très belles. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a les boutures de ma maman. Alors, les boutures de ma maman, qu'elle me parle depuis des mois. Alors, déjà, elle m'a fait une énorme bouture de son Aworzia. Regardez-moi ça, elle n'est pas rempotée encore. Ça, c'est une bouture de la sienne. Vous la verrez sûrement dans le jardin tour, elle est comme ça. Et en plus... Viens voir ma cocotte, elle commence à me faire regarder. Un petit bébé. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, du coup, elle, à chaque fois, ça fait même, je crois, même un an, voire plus, qu'elle me dit, mais j'ai ta bouture et tout. Et en fait, elle en a donné un à mon frère, à Nicolas, à ma soeur, et il y avait la mienne. Mathieu, bon, étant donné qu'il est avec mes parents et qu'il n'aime pas spécialement les plantes, tout ça, elle lui en a pas fait. Voilà, mais c'est surtout que, voilà, il est avec eux, donc il peut avoir autant de plantes qu'il veut. Saligo. Donc, elle m'a fait la bouture donc, que j'ai récupérée. Donc, vous voyez comment j'avais emballé.
J'avais vraiment emballé comme ça. Et vous pouvez y aller, quoi. Elles sont bonnes, ça craint absolument rien. Donc voici la Worsia. Et elle m'a fait une bouture de son cylindro. De son cylindro Opuntia. Alors celui-là, je vous le montre d'ailleurs dans la serre, dans la vidéo de leur jardin tour. Vous verriez cet engin, la plante mère. Une merveille. Ah, il me tarde de vous passer la vidéo parce que des plantes incroyables, quoi. Et du coup, elle m'a fait. Et toi, tu vas faire de la concurrence à Monsieur Kéké, toi. On va pas recommencer nos conneries. Hein. Donc voilà, le cylindro Opuntia, que j'adore. Regardez, y a une petite tige verte. Oui, ça fait des espèces de petites épines, mais pas vilaines, vous savez, un peu partout. Et donc pareil, elle me l'avait fait depuis un moment, donc je l'ai récupérée. Et elle était avec Bobby dans mon sac avec moi et le Forbia variegata. Bien droite, ça n'a pas bougé. Là, et alors hier j'ai été chez Carouf parce que, alors attendez, j'ai bossé le 19 au soir. Donc le 19, moi je suis rentrée le 18, je me suis rentrée quand même assez tard. Le 19, j'ai fait un bon coup de ménage, j'ai dû m'occuper de toutes les cocottes de la cuisine, j'ai rempoté la plupart des plantes. Entre-temps, j'ai reçu le colis donc qui contenait donc les cocottes qu'on m'a offertes. Donc j'ai dû commencer à rempoter, mais sauf que je n'avais plus de substrat, je n'avais plus rien à poil, hein, mais vraiment, enfin c'est surtout les cocottes qui étaient à poil. Mais vu que je bossais le soir, je ne pouvais pas aller à Carouf, il fallait que je me repose aussi, que je fasse ma petite sieste de l'après-midi. Et je m'étais dit, bah, demain par contre, sans faute, je devais voir ma meilleure amie, il faut que j'aille à Carouf acheter ce qu'il me faut. Donc, on sait le temps que ma meilleure amie arrive, me rejoigne à Carouf. Moi, j'ai fait mon tour dans les plantes. Forcément, non, mais quelle question! Et puis, alors, ce qui est bien, c'est que maintenant à Carouf, les plantes d'extérieur et d'intérieur, ils font des coins, vous savez, des coins de malheureuses aussi. Des coins qu'ils appellent anti-gaspille. Et donc, du coup, ben, j'ai pas pu faire autrement parce qu'il y avait, alors, il y avait un agrume que je veux depuis un moment. Mais qui était très cher quand je l'ai vu. Et lui, alors celui que j'ai pris, je l'ai vu il y a quelques semaines chez Carouf, mais au prix, enfin au vu de sa taille, le prix était pour moi excessif. Mais quand j'ai vu sur Internet le prix qu'il les vendait, j'ai fait, ah ouais, quand même, ça coûte aussi cher cet agrume. Alors je vais vous le présenter et je l'ai eu à moins 70%. Voilà, donc comme quoi, quand ça doit arriver dans nos maisons, les cocottes, des fois, il vaut mieux attendre. Et ben, finalement, ben, c'est vrai que la patience, comme on dit, est une vertu et ça paye. Regardez cette petite crotounette. Moi, alors, c'est un calamondin. Alors, moi, là-bas, je voulais un kumquat. Mais au final, c'est, on va dire, pas exactement pareil. Mais en fait, le calamondin, c'est un hybride, c'est un croisement entre le mandarinier, enfin, entre la mandarine et le kumquat. Et vous voyez. Les fruits ressemblent énormément au kumquat, aux fruits du kumquat. Et lui, c'est une variété naine. Enfin, c'est voilà, c'est un nain. C'est un calamondin nain. Et en fait, on l'appelle aussi l'oranger d'appartement parce que c'est un agrume que vous pouvez rentrer l'hiver chez vous. Pour ceux qui ne sauraient pas, ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est vrai que les agrumes, on ne peut pas les rentrer l'hiver chez nous parce qu'ils supportent pas l'air sec de nos appartements et maisons, donc il vaut mieux les laisser dehors, protégés. En tout cas, moi, pour ce qui est de Toulouse, voilà, il n'y a pas besoin de les rentrer dans vous savez, dans un endroit frais, voilà, genre un garage, une véranda ou quoi que ce soit, parce que voilà, on n'a pas des températures hyper basses. Cet hiver, le moins qu'on ait eu, c'est moins 6 et ça a été une nuit. Voilà. Mais si vous voulez, par contre, un petit agrume. Un petit agrume que vous pouvez rentrer chez vous et qui peut avoir des fruits toute l'année, fleurir toute l'année, parce qu'apparemment ces fleurs sont très très puissantes en odeur. Et moi, c'est une de mes odeurs préférées, enfin tout ce qui est jasmin, fleurs d'agrumes,
Toutes ces plantes-là, à l'odeur très épicée, très forte, je suis complètement gaga. Voilà, je suis complètement gaga de ces odeurs-là. Patchouli, ylang-ylang, enfin vraiment tout ce qui est chaud, vous savez, enfin voilà. J'adore. Donc du coup, il peut, voilà, vous pouvez le rentrer l'hiver, ça. Donc là, il faut que je le rempote aujourd'hui. Et je l'ai arrosé hier en rentrant. C'est déjà sec, enfin voilà, le pauvre coco. Alors, il coûtait quand même 12,99 €. Donc la première fois où je l'ai vu, j'ai dit, mon coco, tu vas rester sur ton étagère sans lumière, sans eau, je m'en fous, mais là, tu coûtes trop cher. Et là, il est à moins 70%, du coup, je l'ai payé 3,90 €. Et vous voyez, c'est vraiment anti-gaspi. Voilà. Donc le petit calamondin, vous pouvez le rentrer l'hiver sans aucun problème. Et si vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez le laisser aussi, mais bon, c'est mieux de le sortir pendant la belle saison. Mais vous pouvez aussi le garder à la maison. Alors les fruits, normalement les fruits sont comestibles. Après très acides, donc voilà. Mais attention, parce qu'il faut que ça soit marqué. Parce que étant donné qu'il y a beaucoup de, ben voilà, comment dire, les endroits où ils cultivent à grande échelle, etc., un petit peu à la chaîne et tout. Si c'est pas bio aussi, tout ça, ne les consommez pas, parce qu'il y a beaucoup de traitements d'insecticides et tout. Ne consommez pas les fruits. Par contre, si c'est marqué, normalement, ça devrait être marqué. Moi, j'ai non, à la plantation, mais au niveau de la consommation, non, il n'y a rien d'écrit. Non, il n'y a rien d'écrit. Mais normalement, c'est censé être marqué si ça peut être consommé ou pas. Moi, je préfère pas parce que sait-on jamais. Donc, voici le petit calamondin. Et ensuite, j'ai craqué. Pareil, je l'avais vu en même temps que le calamondin, d'ailleurs. Je l'avais vu le même jour. Et c'est un peu une madeleine de Proust aussi, on va dire, visuelle. Parce que petite, en fait, là où on était, on vient de Franche-Comté. Enfin, moi, je viens de Franche-Comté et en fait on avait des lilas à la maison. Et petite, j'ai toujours été fascinée en fait par les lilas parce que ça attire énormément d'insectes pollinisateurs et notamment les papillons. Et l'odeur, bah encore une fois, l'odeur très forte et tout. Et j'en ai des souvenirs. Ouais, j'ai vraiment des images et l'odeur du lilas quand j'y pense dans le pif, quoi. Donc, et en fait, et ben pareil, regardez-moi ce coco. J'ai acheté. Alors, il s'appelle exactement, donc c'est un lilas, et c'est le Syringa vulgaris sensation. Ça, c'est les fleurs, qui sont bicolores, donc le liseré des pétales est blanc et le cœur est violet. Et alors, il coûtait combien? Ah oui, pareil, anti-gaspi, il valait 20,99 €, je l'ai payé 10,50 €. Que demande le peuple, hein? Donc, alors, celui-là, si vous voulez une plante, alors, il supporte le plein soleil, il va supporter la mi-ombre, mais la floraison sera un peu moins abondante. Il est très rustique, parce que si j'ai bien compris, il peut supporter jusqu'à moins 15 degrés. Pas de taille à faire spécifique. Donc là, j'ai coupé, parce que, alors, il y avait des feuilles, là, au niveau des branches vertes, mais qui avaient fondu, il n'avait pas été arrosé depuis la reine Jeanne, ce pauvre coco. Et j'ai vu que là, il y a des bourgeons partout, enfin des bourgeons. Là, vous voyez, là, il y a des nouvelles tiges qui vont sortir. Là aussi, il y en a partout, partout, partout. Donc, j'ai coupé les feuilles qui ne servaient plus à rien. Donc, ça peut repartir là au niveau des boursouflures. Là, je ne sais pas si on dit des nœuds ou pas, mais voilà, là, ça peut repartir. Et là, ouais, ça va repartir là. Il y a des petits bourgeons. Je l'ai arrosé, mais pareil, il faut que je le rempote parce que regardez-moi ça, c'était roux comme c'est dégueulasse. Voilà. Et bah, écoutez, je ne sais pas si j'aurai des fleurs cette année, mais je le souhaite, hein, on verra bien, hein, parce que du coup, il est un peu en retard sur sa croissance pour Pépère, vu qu'il a manqué de beaucoup de choses. Mais du coup, j'étais hyper contente. J'étais vraiment hyper contente parce que je l'avais guigné. Et ben, c'est pas qu'il était cher, hein. Bon, il était à combien déjà? À 20 €. Mais là, 10 euros, j'ai dit, allez, pépère, je te prends. Et j'ai vu aussi, j'hésitais entre un érable du Japon. Bah oui, forcément, moi qui veux un érable du Japon, ils y étaient, pareil, 10 euros. Et puis j'ai dit, non, quand même, le lilas, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué petite.
que j'adorais. Les fleurs, la couleur, l'odeur, les animaux qui, ben voilà, les insectes qui se précipitaient là-dedans pour pouvoir se nourrir. Et comme vous savez, moi j'aime bien planter des fleurs des champs, des fleurs pour les abeilles, voilà, pour les insectes, voilà, l'été, donc printemps-été, donc voilà. Voilà les amis, on a fait le tour de toutes mes nouvelles belles cocottes. Donc là, je vais devoir rempoter beaucoup encore cet après-midi, maintenant que j'ai tout, enfin. Et puis, alors la semaine prochaine, vous aurez le jardin tour de mes parents. Et peut-être, en cocotte de la semaine, donc ça ne sera pas forcément, voilà, c'est comme aujourd'hui, ça sera pas, on va dire que ça sera la cocotte de la semaine. Si, ça peut être la cocotte de la semaine, parce qu'au final, on en parle, même si c'est plusieurs plantes, on en parle. Et on en parle quand même un petit peu. Ça sera peut-être un deuxième hall plante. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir aller aussi dimanche à l'endroit dont je vous ai parlé pour pouvoir vous faire une belle vidéo encore d'un endroit, je pense, que de ce que j'ai vu sur les photos, qui est juste sublime. Et j'espère pouvoir partager ça avec vous si on y va. Voilà mes amis. Ben, écoutez, en attendant la semaine propu la La semaine prochaine, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Et du coup, ben, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Et bon week-end en avance. Ah ben non, on est vendredi déjà. Oh ben merde alors. Donc bon, excellent week-end. Nous, il fait extrêmement beau, chaud. Donc ça fait du bien. Je vous embrasse, les amis. À très très vite.